Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est lundi 1er juillet. Ça faisait longtemps. J'ai pris la perche, mais je pense que vous allez trembler parce que comme je suis quelqu'un qui tremble énormément, bref. Je suis en train de faire tout mon ménage parce que j'étais de nuit la semaine dernière, du coup j'ai rien fait. Et là je reprends que vendredi. J'ai plein de choses à faire. J'ai deux vidéos minimum à filmer. Un haul action que j'aimerais que vous ayez le lundi 1er vers 17-18h. J'ai un haul solde à faire parce que j'ai des choses à renvoyer, mais je vais vous les montrer quand même. Et si je peux, je vais essayer de le porter. J'ai tout mon repassage à faire. Là, il ne me reste plus que les sols en bas. J'ai déjà sorti ma table à repasser. Il faut que je range tous les CD dans cette commode, si j'y arrive. Mais j'ai mon repassage et en tout cas mes sols en bas à faire. Le haut, au pire, je verrai ça demain. Je voudrais faire des yaourts, donc je vais vous montrer, puisque j'avais acheté, vous savez, de l'arôme citron et de l'arôme vanille pendant mon retour de course. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez. Je ne mets plus dans le petit parce que en fait je ne me sers plus de l'ordinateur et il n'y a que à partir d'un ordinateur qu'on peut mettre dans le petit i. Si j'y vais bientôt, j'essaierai de mettre des petits i dans les anciennes vidéos, tout ça. Parce que je trouve que c'est pas mal les petits i, ça vous y allez plus que dans la barre d'infos, je pense. Et puis voilà. Je suis encore en pyjama, comme d'hab, vous savez que j'aime pas faire du tout mon ménage habillé puis lavé. Je préfère me laver après. Et puis ce soir, je vais au resto pour fêter le départ à une de nos collègues. Il faudrait que je fasse aussi mes parterres parce qu'il y a des fleurs, mais il y a aussi des mauvaises, des mauvaises herbes, quoi. Mathias a tondu ce week-end. Il a fait plutôt très chaud ce week-end. Au boulot, on a eu très très chaud. Et puis voilà. Donc vous voyez, j'ai déjà fait les soldes de ma cuisine et je me suis dit, il faut que je les prenne vite fait. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira ce vlog. Ça fait un petit moment que j'en ai fait. Je vais vous prendre toute la semaine. Je pense que je vais faire quelques petits trucs dans la semaine. Voilà, j'ai fait les soldes la semaine dernière, vous allez voir. J'ai trouvé beaucoup de choses pour Mathias. Et moi, je me suis trouvé des trucs sur le site H&M. Mais il y a des trucs, je pense, je l'ai reçu ce matin, le colis. En ouvrant le colis, je pense qu'il y a des choses qui vont pas m'aller. Du coup, je vais les renvoyer. Soit je vais voir si j'aime vraiment bien. Il y a un truc, je sais que j'aime pas, je le voyais pas du tout comme ça. Mais je me fais totalement rembourser, soit je rachèterai la taille au-dessus, je vais bien voir. Il y a des escarpins que j'ai pris, que j'aime beaucoup, mais il faut que je voie, sinon je les prendrai la taille au-dessus. Et j'ai fait également une commande chez Shein avec ma carte bleue, hein. Je n'ai pas de partenariat. Pour être sincère avec vous, je leur ai envoyé un mail si ça les intéressait, j'ai jamais eu de réponse. Donc j'ai fait une commande moi-même et comme ça je vous ferai un attente versus réalité du site Shein. Je crois que j'ai 6 articles. 6 articles ou 8 articles de chez eux. Bon, de toute façon, je ne les ai pas reçus. Je pense que je vais les recevoir dans la quinzaine de jours là, qui va arriver. Donc voilà. Donc là, il fait lourd, mais il n'y a pas grand soleil. Le ciel est bleu, mais il n'y a pas grand soleil. Bref, moi, bon, allez, c'est parti. Je continue mon ménage et je vous reprendrai tout à l'heure. Je pense au moment où je vais repasser. Quand je vais repasser, je vais mettre les replays de Demain nous appartient. Parce que quand je suis nuit, j'ai pas le temps de les regarder. En plus, j'ai repris mercredi dernier, mais j'ai repris à 19h30. Du coup, après, la semaine est passée très très vite. Samedi, j'ai fini à 7h, mais je me suis couchée que dans l'après-midi parce qu'on a, été changer la box, on a été faire Orange Bank. Je vous parlerai peut-être d'Orange Bank si ça vous intéresse. On ne sait jamais. Mais on a changé la box, on a pris la Livebox 4. Nous, on avait, je pense, la toute ancienne. Et là, la 4 fonctionne super bien. Nous, la nôtre marchait très mal. Et je me rappelle que l'année dernière, quand j'avais acheté ce portable, le 8 Plus, l'iPhone 8 Plus, nous avait dit, il faut nous ramener votre box, c'est gratuit, on va vous la changer. Et là, on s'est décidé à le faire parce qu'il fallait le faire. Donc voilà, ça c'est fait. Bon allez, je sais que vous tremblez beaucoup, je suis désolée. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Je voulais vous remercier aussi pour tous les nouveaux qui sont arrivés. À chaque fois que je fais un retour de course, j'ai 20 abonnements d'un coup, quoi. Donc, merci beaucoup, c'est trop cool. Donc, pour celles qui viennent d'arriver, bienvenue. Et à savoir que les retours de course, j'en fais une fois par mois. Sinon, vous avez des vlogs, vous avez des hauls actions ou autres, hein, vêtements, beauté, etc. Vous avez des produits terminés, des favoris. J'ai plein de choses à vous faire, là. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce que j'ai en tête à vous faire.
Je voudrais vous faire un lookbook avec tous les vêtements que j'ai pu racheter et les vêtements que j'ai achetés, peut-être que je ne vous ai pas montré. J'ai peut-être acheté des vêtements que je ne vous ai pas montré. Bah si, c'était les derniers vêtements que j'avais achetés, c'était à Londres, donc vous les avez vus. J'ai plein de trucs à vous faire. J'ai une vidéo recette dans ma tête à faire, mais ça prend énormément de temps. Je voudrais vous faire des recettes, mais sans Cookéo, des recettes avec Cookéo. Bref, j'ai plein de choses, plein d'idées. J'ai tourné une routine nuit, mais alors quand j'ai vu les rushs, ça ne me va pas du tout. Donc je pense que je vais recommencer cette vidéo, enfin la refaire, soit ce soir, soit demain soir, enfin j'ai le temps dans la semaine. Et puis il faut que je vous fasse la routine matin que je n'ai pas pris le temps de faire la semaine dernière. Donc voilà. Donc là, je n'ai pas mes lunettes, hein, parce que pour faire le ménage, je ne mets pas mes lunettes. Mais je ne vais pas tarder après à les remettre, parce que sinon j'ai encore un mal au crâne. Bon allez, je vous laisse, parce que ça fait 6 minutes bientôt que je vous parle. Rien d'intéressant. Allez, à tout à l'heure. Donc me revoilà un peu plus rouge que tout à l'heure, parce que ça fait un moment, de toute façon je vais vous en parler dans mes favoris. En fait, pour les sourcils, je vais toujours chez l'esthéticienne parce que je suis une quiche. J'ai essayé et je me suis fait un trou, très intelligente. Mais du coup, pour tout ce qui est lèvres, et moi j'ai des poils ici, en plus je suis brune, donc c'est une horreur. J'ai voulu tester et franchement j'aime bien, je viens de le faire, mais comme j'ai la machine qui tourne, c'est une catastrophe. Je me suis dit que la prochaine fois, promis, je vous filmerai ça. J'avais acheté de chez Vite, à Leclerc, hein, la cire orientale parfum fleur de jasmin. Déjà, c'est une tuerie. Ça s'utilise avec des bandes que moi, je coupe en fait, parce que les bandes sont faites pour les jambes. Et puis, je me munis de ma pince à épiler pour les quelques poils qu'il y a. Et sincèrement, c'est plutôt top. C'est hyper économique parce qu'avant, je faisais tout le visage chez l'esthéticienne pour 18 euros. Que là, j'en ai eu pour 10 euros le pot. Et ça fait bien 2 mois que je l'utilise. Et j'avais acheté sur AliExpress, si je retrouve un lien, je vous le mettrai en barre d'infos, des toutes petites spatules comme ça qui sont normalement pour les crèmes. Mais moi, je l'utilise pour vraiment les petites zones, vous voyez, les lèvres. Et je fais quand même le milieu ici, parce que j'aime bien que le milieu du sourcil soit bien net, bien propre. Et donc, c'est impeccable. Comme ça, je devais le faire. Je l'ai fait ce matin, comme ça, ça a le temps d'arrêter de rougir. Là, vous voyez, j'ai toutes mes soldes à vous montrer. J'ai pas mal craqué, mais plutôt pour Mathias que pour moi. Et sincèrement, ça enlève plutôt bien les poils. Donc là, j'ai un trou. C'est parce qu'avant, j'avais un piercing. Je me demande si je ne vais pas le refaire, le piercing ici, parce que voilà. Mais le problème, c'est que comme je jouais avec, force, il passait à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé. Mais je suis trop contente parce que là, j'ai plus de poils. Et ça fait pas mal. Faut la faire chauffer au micro-ondes très peu de temps. Moi, je mets 2 fois 20 secondes. Et c'est assez chaud. Sincèrement, ça ne me brûle pas. Souvent, je fais un test ici sur mon poignet pour voir, pour ne pas me brûler quand même. Mais c'est plutôt cool. Avec les bandes, il en suffit très peu, hein. Et en plus, si vous n'avez plus de bandes, parce que je pense que c'est ce qui va m'arriver bientôt, j'irai chez Action. Je crois qu'ils vendent juste les bandes. Ou au pire, j'irai chez Leclerc acheter juste des bandes. Sincèrement, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc, je suis trop contente. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que je trouve que c'est un très très bon produit. Et je suis contente d'avoir voulu essayer de me lancer là-dedans parce que je le fais une fois tous les 15 jours et ça m'évite d'aller chez l'esthéticienne pour ça. Il faudrait que j'aille pour les sourcils, mais faut jouer avec Matt quand est-ce qu'il peut me passer la voiture cette semaine. J'irai bien peut-être mercredi, je vais voir, il faudrait que je les appelle déjà pour prendre un rendez-vous. Et puis voilà, bon allez, je finis tout ce que j'ai à faire en ménage et puis je vous reprends juste. Le repassage est terminé. Il est là. Il faut que je le monte là-haut. Je le rangerai que demain matin parce que j'aime pas ranger mon linge après. Il y a encore de la vapeur, tout ça. Après, ça peut sentir mauvais. Je regarde en replay Demain nous appartient, la semaine dernière, avec un café. Il est 1h-10. Et puis après, je pense que je vais aller me laver tout ça et tourner les vidéos, les 2 vidéos, pour faire les retours H&M tantôt. Comme ça, ce sera fait. Je serai tranquille. Tantôt ou demain, mais en tout cas, ce sera fait. Je serai tranquille, je serai remboursée plus rapidement. Et puis, voilà. Donc, moi, je vous dis à tout à l'heure. Je pense que je vous reprendrai dans la journée lors de ma préparation pour ce soir. Parce que je vais me maquiller quand même pour ce soir, vu la tête que j'ai. Et puis, voilà. Allez, à tout à l'heure. Et puis, bon après-midi à vous. Ou je ne sais pas quand est-ce que vous regardez. Coucou.
Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve parce que je viens d'avoir un malheur. Donc déjà, je ne suis pas démaquillée d'hier soir, je viens de prendre ma douche, il est très tard. Je ne vous ai pas pris, donc on va commencer correctement. Je ne vous ai pas pris hier, j'ai eu plein de choses à faire. Et on a la tante à Mathias qui habite au Chili, qui est venue hier manger à la maison. Du coup, entre préparer à manger, j'ai été chez Coralie, tout ça. Je n'ai pas pris la perche pour tout de suite, c'est pas grave, je la prendrai tout à l'heure. J'ai pas pris le temps de vous prendre. Et donc aujourd'hui, il fait plutôt beau. Et j'avais décidé de me mettre en robe. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Donc, ça faisait un petit moment que je m'étais rasé les jambes. Bravo Bernice. Je suis brune, mais au niveau des jambes, j'ai pas tant de poils que ça. Donc je me rase pas forcément tout le temps. Sauf quand voilà, je mets une petite jupe. En même temps, j'ai fait le rasage... du maillot sous les bras, et puis je me suis dit je vais prendre une nouvelle lame pour faire les jambes. Normalement vous devez comprendre la suite. Je me suis littéralement coupée juste là, donc je viens de rechanger le pansement parce qu'il était plein de sang, et je me suis pas sentie très bien en fait, parce que j'ai un morceau de peau comme ça qui est dans le rasoir. Bref, je suis désolée pour celles qui sont mal au cœureuses, mais du coup, je croyais que j'allais mourir. Enfin, j'étais pas bien, quoi. Non, mais sans déconner. Et je suis pas encore tout à fait remise. Hein. J'ai la fin du hall solde à vous tourner, tout ça. Je crois que je vais vous le retourner parce que ça va pas le faire, ce que j'ai fait hier. Bref, il faut que je tourne le hall solde pour que vous l'ayez vendredi matin. Mais je crois que je vais aller boire un café entre deux, parce qu'il faut que je me maquille et tout avant. Enfin, que je me maquille pas trop non plus, parce qu'il fait beau et j'aimerais que tantôt aller un peu sur ma terrasse, mais ça m'a tué. Je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. J'ai essayé d'appeler Mathias. Il s'en fout. Enfin, il m'a pas répondu. Du coup, j'ai appelé Coralie. Je sais qu'elle est loin, hein, parce qu'on est à 30 minutes l'une de l'autre. Mais en fait, ça rassure. J'étais tellement mal que, bref... Et puis, bah, j'ai tout le ménage à faire en haut. Parce qu'en bas, il ne me reste plus que l'aspirateur, puisque j'ai eu du monde hier. Je vais passer un coup d'aspirateur. Et puis, voilà. Mais je vais vous prendre aujourd'hui. Hier, si, je vous ai tourné quelque chose, hier après-midi. J'ai commencé à tourner une vidéo recette. Du coup, je vous ai tourné une recette d'un brownie au citron qui est juste trop bon. C'était la première fois que je le faisais. Mais j'en suis pas peu fière parce qu'il était très, très bon. Voilà! Bon allez, je vais me démaquiller, c'est pas bien ce que j'ai fait hier, mais on s'est couché hyper tard. Du coup, j'allais me démaquiller, me remaquiller un petit coup, enfin hydrater ma peau, boire un café, et après je vais aller me maquiller. Et après, je vais vous tourner cette vidéo, parce que je voudrais vous essayer les vêtements également. Donc, de toute façon, il sera en barre d'infos. Hein. Et puis, tantôt, si je peux aller à la poste renvoyer ça, ça serait cool. Je vais faire ça. Bon allez, je vous dis à plus tard. Je suis désolée pour ce moment... très sympathique. Bon, allez. Me revoilà plutôt tard, 23h10, je vous ai pas repris de l'après-midi. Bon, je suis contente, j'ai réussi à filmer le hall solde et à faire ce que je voulais faire. Du coup, il y a des catastrophes dedans, hein, donc je vais renvoyer tout ça tantôt, enfin demain après-midi. Et puis voilà, sinon j'ai été vite fait faire un petit tour chez Action, mais je vous montrerai ça lors d'un haul Action dans le mois. Je pense que je vous referai ça dans le mois. Et puis demain, je vais vous parler d'un truc ménage que j'ai testé, qui est très très cool, que mes beaux-parents m'ont prêté. Donc demain, ça va être ça. Et demain, je vois Justine. Ça fait très 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 longtemps qu'on s'est vu. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'envoyaient des MP, savoir si on se faisait la tête ou pas. Et bah, à savoir qu'on se voit demain. Donc voilà. Normalement, on va essayer de faire quelques photos ensemble. Il fait assez beau chez nous. Donc, on va faire des photos comme ça. Vous aurez des jolies photos dans les jours et semaines à venir sur Instagram. Donc voilà. Bon, allez, moi, je vous souhaite bonne nuit. Et je vous dis à demain, toujours dans ce vlog. Bisous. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi. Je viens de me mettre dans le canapé pour regarder... Demain nous appartient, mais sinon j'ai fait pas mal de choses hein, depuis ce matin. J'ai fait mes carreaux, donc je vais vous parler de ça. J'ai fait l'aspi en bas, donc je vais aller remettre mes tapis qui sont propres.
J'ai fait l'aspirateur en haut plutôt, mais j'ai pas fait l'aspirateur en bas, faut que je le fasse après. Mais là, je vais aller me laver, je vais aller chercher des cigarettes à pied également. J'aurai une machine à étendre dans 24 minutes, mais là, faut que je finisse ça. C'est mes beaux-parents qui m'ont prêté ça, donc c'est de la marque... Elle va être écrite où la marque là-dessus ? Vous voyez, de la marque Karcher. C'est pour faire les vitres et c'est le top. J'ai déjà fait pratiquement tout, mais il me reste celle-ci, la fenêtre ici et le miroir qu'il y a dans la salle de bain. Et j'aurais fait toutes mes vitres. Alors ça, je suis trop contente. Ça faisait un petit moment qu'il fallait que je les fasse. Et vraiment, ça fait un bien fou, ça se fait super bien. Mais il a fallu que j'arrête parce qu'il n'y avait plus de batterie dans l'appareil Karcher. Mais c'est top. Vous avez juste à... à mouiller, enfin bien mouiller une éponge, mettre un petit peu de liquide vaisselle sur l'éponge et c'est parti. Donc ça c'est cool, je vous le recommande vraiment vraiment beaucoup. Donc je finis les vitres et puis je reviens à me revoilà prête. J'ai juste été acheter des cigarettes etc à pied et je me suis maquillée. Justine va pas tarder, du coup on va à Saint-Lô. Ouais. On va à Saint-Lô, on va aller dans la boutique Moa. Donc je vais demander à la gérante si on peut filmer. Je pense que oui, on connaît la gérante, enfin elle nous connaît maintenant. C'est qu'on y va assez souvent. Et puis je vais voir avec Justine si elle veut bien qu'on aille vite fait au percer pour qu'il m'enlève ce piercing là et que j'en remette un autre parce que il a plus de pierre celui-là. Je sais plus si je vous l'ai montré dans ce vlog là. Bref. Donc j'ai juste mis un peu de poudre bronzante, un rouge à lèvres, un Dior que Justine m'avait offert lors d'un swap calendrier de l'Avent. Et puis un peu de mascara, du blush. Et puis voilà. Et puis j'ai mis mes boucles d'oreilles aussi AliExpress. J'aimerais vous en faire une photo en fait. Puis ma tenue, c'est vous savez la robe. J'ai reçu tous les vêtements de chez Shein. Donc vous aurez cette vidéo vendredi prochain. Donc après la vidéo, juste après ce vlog là. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je suis trop contente, sincèrement. Les fringues sont canons. Et puis, je suis contente des tailles, etc. Enfin bref, je vais vous parler de tout ça lors de cette vidéo. Mais vraiment, je suis vraiment pas déçue. C'est la première fois que je commande et je suis vraiment ravie. Bref, je vous montrerai ça plus tard. Mais moi, je vous emmène avec moi à Saint-Lô. Donc je me suis changée parce que j'ai très chaud et bref, j'ai pris des couleurs. Je vous ai posé ce que j'ai des achats à vous montrer. Vous avez vu juste avant, on a découvert un salon de thé de ouf. Il est magnifique, enfin vraiment. Je vous mets le lien de ce salon de thé, de l'Instagram en barre d'infos pour les gens qui viennent de Saint-Lô, Bayeux, 40 ans, enfin de ces petits alentours-là. Allez voir, c'est trop chou. Ceux qui sont fans de Disney,
Ça me fait penser totalement à Alice au Pays des Merveilles. Je trouve que c'est totalement le style de Delphine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Delphine qui avait fait les vide dressing avec nous. Pareil, au pire, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Enfin bref, on a vraiment adoré avec Justine. On a fait des trop jolies photos, donc suivez-moi sur Instagram. Je vous le remets juste ici, mon Insta. Bref, vraiment, c'était trop canon. On a bu un bubble tea, goyave et les billes avec du jus de fraise à l'intérieur. C'était trop, trop bon. Et ensuite, Justine a pris un cheesecake coulis framboise. Moi, un petit cupcake au Nutella. Et après, on trop gourmand, donc on voulait encore tester un truc. On a testé le fondant au Nutella. Bref, une tuerie. On est rempli. Bref, c'était vraiment trop, trop bon. Et puis, une après-midi comme ça avec Justine, ça faisait très, très longtemps. Donc, on est happy. Bref, je voulais vous montrer, pas des achats, mais des souvenirs que la tante à Mathias nous a ramenés du Chili. C'est une de ses tantes qui habitait avant en Guadeloupe, qui maintenant habite au Chili. Et là, elle est avec nous pendant un mois et demi, donc on est trop contents. Et donc, elle nous a ramené des petits souvenirs. Pour Matt, c'est le truc qu'on ramène tout le temps à Mathias, c'est des t-shirts. Et Mathias adore ces t-shirts-là parce qu'il aimait aussi bien pour aller dormir qu'à la maison. Donc, elle lui a ramené celui-ci, comme ça, avec une tasse de café, il me semble. El trago típico de Chile, Terremoto. Bref, il est trop joli, je trouve. Ça change. Et puis, juste derrière, il y a le Chile. Enfin, c'est trop canon. Bref, elle lui a pris en taille XL. Mathias aime beaucoup, manche courte, c'est impeccable. Et sincèrement, ça a l'air d'être plutôt de la quali. Donc ça, on est content. Et moi, elle m'a ramené un bijou et un petit porte-clés. Donc, le petit bijou, ce sont des boucles d'oreilles. Elle sait que j'aime beaucoup les boucles d'oreilles. Et celles-ci sont assez estivales, on va dire, comme ceci. Je vais essayer de les vous montrer. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Mais elles sont canons. Il y a plein de couleurs, donc ça se met avec plein de différentes choses. Mais j'aime beaucoup aussi. C'est de la ferraille, hein. Donc, j'aime beaucoup. Et là-bas, ils font énormément de laine. Donc, elle m'a ramené un petit porte-clés à moi ou à Mathias, où que c'est écrit Cuechi. Je crois que c'est une ville du Chili. J'y connais rien. Bref, trop gentil. Donc, je voulais vous montrer ça. Je ne sais pas si je vous ai montré. J'ai mis des boucles d'oreilles que j'ai achetées l'autre fois sur AliExpress. Je vais demander à Matt s'il veut bien me faire une photo ou deux avec les boucles d'oreilles pour que je vous les mette sur Instagram. Ensuite, j'ai fait quelques petites soldes. Donc, dont Justine qui m'a ramené ça de chez Sephora. Ça valait large le coup. Vous savez que j'adore Pixi. De toute façon, vous allez bientôt le voir dans ma routine du matin ou dans ma routine soir parce que ça, je vais tester très, très, très rapidement. Au lieu de 41 euros, c'était à 12,30 euros. Donc, trop cool. C'est même pas le prix de la lotion. Donc, dedans, vous avez la lotion glotonique que j'adore. Vous avez juste ici le nettoyant à la rose et juste ici l'exfoliant. Donc, je suis trop contente. Je suis trop happy. Oh, et pour 12,30 euros, mais ça vaut large le coup. Hop, juste ici, j'ai reçu ma commande Chine. Donc, je suis trop contente. Les vêtements sont canons, il faut que j'essaye tout. Mais je suis trop happy. Bref, sinon, j'ai été chez Yves Rocher. Vous savez, je ne vais chez Yves Rocher que pour ça. C'est l'indispensable de l'été. C'est le gel douche au Monoeil. Je trouve que personne n'arrive à faire ce Monoeil-là. Ça sent vraiment le Yves Rocher depuis que je suis toute petite. L'odeur n'a pas changé. J'adore. Je suis trop contente. Et ça valait le coup. C'était moins 50% la bouteille. Donc, un pour le prix de deux. Et ensuite, on a été chez Moa. Pareil, je vous mets leur Instagram de Moa Saint-Lô en barre d'infos. Il faut savoir que le Moa de Saint-Lô, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui me suivent de la région, va ouvrir un Moa au centre commercial d'Hérouville-Saint-Clair où j'avais fait en fait le concours, vous savez, le concours influence. Donc, je suis trop contente. Elle essaiera de m'avertir si elle fait une petite soirée ou quoi là-bas. Donc, il y avait plutôt pas mal de soldes, surtout les sacs à main, quelques bijoux. Il y avait une paire de boucles d'oreilles que j'aimais bien. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas prise. J'y ai pas pensé. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, je vais lui envoyer un petit message qu'elle me le garde de côté. J'en ai eu en tout pour 18,98 euros. Au lieu de... Je vous mettrai là au lieu de combien. Donc, tout d'abord, je me suis pris une paire de boucles d'oreilles comme ceci. J'aime plutôt bien ce genre de paire de boucles d'oreilles. Derrière, vous savez, c'est un petit crochet comme ça. Donc, il y avait moins 50 dessus. Au lieu de 7,99 euros, je les ai eu à 3,99 euros.
Et je me suis pris un sac à main d'une couleur que je porte pas beaucoup, rose un peu saumon, celui-ci. Je ne porte que maintenant des petits sacs à main, j'aime plus du tout les grands, malgré que c'est vrai que dans les grands vous en mettez beaucoup, mais plus il est grand, plus vous mettez de bordel. Bref, donc je me suis pris celui-ci, j'aime trop. À l'intérieur c'est une seule pochette, mais vous avez des petites fermetures. Il se ferme également à fermeture juste ici, je l'ai trouvé canon pour cet été. Donc lui, au lieu de 29,99€, il y avait moins 50 et je l'ai eu à 14,99€. Donc voilà pour ces achats-là. Je vais vous montrer quelques achats que j'ai fait chez Action hier parce que du coup, on y est retourné, mais j'ai rien repris. Donc je ne vais pas vous faire un haul Action, je vais vous les incorporer maintenant. J'essaye de vous mettre un max de choses en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Bref, je reviens, je vais chercher les achats Action. Bon voilà, ça a été rapide. Donc je suis tombée là-dessus et il faut que je regarde à Leclerc combien il coûte. Si avant de vous mettre ce vlog, j'aurais vu le prix dans un Leclerc ou quoi, je vous mettrais le prix juste ici dans un Leclerc. Mais j'ai pris comme ceci un masque de chez Garnier, Ambre Soleil, masque tissu après soleil. Je pense que je vais le faire dans ma routine nuit que je vous posterai très très rapidement également. 99 centimes. Donc ça valait carrément le coup. Par contre, je vais le mettre au frigo et puis je pense que je vais vous tourner cette routine ce soir. Ensuite, j'ai acheté, j'en ai plus, pour les toilettes, à l'eucalyptus, au javel épaissi, nettoie en profondeur et de manière hygiénique. Donc j'ai pris ceci et ça, c'était pas cher, 75 centimes. Donc je testerai, je vais vous en montrer un, je sais que c'est un truc de chiotte, mais je pense qu'on a... Enfin, quand je vois les analytics YouTube, je sais que les filles qui me suivent ou les garçons sont dans ma tranche d'âge entre 24 et 40 ans. Donc on fait normalement tous le ménage. Et dans mes favoris, je vous en ai mis un que moi j'aime trop trop trop, mais que je trouve qu'à Super U, et j'y vais très rarement chez Super U. Donc là, je vais tester celui-là, j'espère qu'il sera aussi bien. Sinon, le jour où je vais chez Super U ou que ma belle-mère y va, je vais lui dire de m'en ramener. Ensuite, j'ai racheté un truc kitsch que Mathias n'aime pas, mais il me le manquait. Le flamant rose. Il me le manquait, je vous mettrai pareil en barre d'infos le haul Action que je vous ai fait il n'y a pas longtemps, mais j'avais acheté le toucan et le perroquet, je trouvais que ça manquait. Et ça, ça coûtait 1,99€, vous voyez, c'est un pic, ouais, Mathias il va être dur. Et ensuite, j'ai acheté ça pour faire une citronnade, des glaçons, mais vous savez, plastique, comme ça au moins, il n'y a pas d'autres glaçons qui retournent dans la boisson, j'aime pas trop ça. Donc là, je vais aller les mettre au congélateur. Je vais les nettoyer, les mettre au congélateur. Et comme ça, je vais pouvoir faire ma citronnade. Je pense que je vais la faire dès ce soir. Comme ça, elle sera bien fraîche pour demain. Je suis trop contente, j'ai pris des couleurs. Puis je suis trop contente des vêtements que j'ai reçus de chez Chine. Bref, donc voilà. Je vais aller rentrer mon linge de dehors. Il fait encore très beau. Hein. Il est que 6h40. Il fait encore très très beau. Je ne sais pas combien il fait. Mais il fait chaud. Ça fait trop du bien, sincèrement. Bref. Je vais aller ranger tout mon bordel maintenant parce que j'ai mis un bordel monstre sur la table. Je sais pas où Mathias est parti. Je pense qu'il est parti faire de la muscu. Donc voilà. Donc je vous dis sûrement à tout à l'heure et je vous fais des bisous comme d'habitude. Je vous fais toujours plein de bisous pendant les vlogs. Plus la vidéo avance, plus je ne suis pas coiffée. Ou alors bizarrement coiffée. Bref, j'ai fait des lasagnes mais je pense qu'elles vont être sèches parce que j'avais pas assez de sauce tomate. Tant pis. Et je sais pas si je vous l'ai dit, je vous le redis au cas où, j'ai fait des yaourts ce matin. Du coup, j'ai pris, comme d'habitude, je vais vous montrer, donc du lait entier. Et il y en a une qui m'avait dit, oui, il faut mettre... qu'est-ce qu'il faut mettre? Je ne sais plus ce qu'elle m'avait raconté. Du lait en poudre. Mais non, en fait, quand vous avez du lait entier, il n'y a pas besoin de lait en poudre. Si vous mettez du lait demi-écrémé ou complètement écrémé, oui, vous devez mettre du lait en poudre en plus, mais moi, comme je prends du lait entier, j'ai pas besoin. Donc, cette fois-ci, j'ai testé avec celui-là. C'est mon yaourt spécial yaourtière. Et la dernière fois, j'avais utilisé ça, donc j'en avais racheté quand même. C'est mon yaourt maison onctueux. Donc, ça, c'est entre le brassé et le yaourt, mais c'est plus du brassé. Ça, je sais pas, j'ai testé qu'aujourd'hui, donc je testerai. Donc, ça, c'est le ferment. Pour 1,5 litre de lait entier, vous mettez un sachet. Ce qui est parfait pour moi, les 9 yaourts. Et cette fois-ci, je ne les ai pas fait nature. J'avais, dans mon retour de course, acheté de l'arôme vanille bourbon. Donc, j'en ai mis la moitié
pour 1,5 litre. Maintenant, je vous redirai si c'est assez, s'il y a assez goût de vanille. S'il n'y a pas assez, je pense que la prochaine fois, il faudra que je mette une pipette entière. J'ai également aussi acheté de l'arôme citron. Donc, je testerai la prochaine fois aussi. Donc, maintenant, je pense qu'on va pas tarder à manger. Il est 8h moins 20. Le temps que ça cuise, j'espère qu'elles vont pas être trop sèches. J'ai un peu peur. Et puis voilà, sinon j'ai rangé déjà tous les achats, etc. J'ai fait la vaisselle qu'il y a là, j'ai vidé, qu'il y a là, que j'ai vidé aussi la vaisselle. J'ai nettoyé l'ancienne Nespresso. Bref, vous voyez, je fais déjà pas mal de choses. Hein. Moi, le soleil, ça me booste en fait. Ça me met la patate. Bref, bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Je vous dirai si ça a été, si les lasagnes sont sèches. Et les yaourts, je vous dirai que demain, parce qu'ils vont finir à 23h la cuisson. Et après, il faut 2 heures minimum dans le frigo. Donc, j'en mangerai un demain matin pour vous raconter ça. Coucou les filles, je ne vous ai pas pris du tout aujourd'hui. Oui, je fais ma cigarette. Il est 7h02. Je ne vous ai pas du tout pris. De toute façon, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pris ma douche. J'ai dû prendre un peu de soleil hier. Et là, je suis en train de faire à manger. Je fais des côtes de porc marinées avec... j'ai fait une petite salade de tomates avocat. Tantôt, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait grand chose. J'ai même pas tourné la vidéo que je vais vous tourner pour vendredi prochain. Je vous ai posté par contre la vidéo de ce vendredi qui était le haul solde. J'ai fait des crêpes pour mes collègues. Juste ici. Et vous voyez, les côtes de porc sont juste là. Marinées, je les fais au gris. Donc voilà, avec une salade de tomates, ça va être très bien. Et puis à 20h15, je repars au boulot. J'ai 2-3 petites choses à vous montrer, mais je vous montrerai ça demain, je pense, ou dimanche. Je vais tenter de changer mon dimanche avec une de mes collègues pour faire un pique-nique en famille, mais je ne suis pas trop sûre de l'avoir. On verra bien, je vais tester. Et puis voilà, j'ai rien fait aujourd'hui. La flemme. Il a fait très très beau. Ça c'est cool, ça sent vraiment l'été, ça va nous faire patienter jusqu'au 13 septembre. Et puis voilà. Donc je voulais juste vous faire un petit coucou maintenant, et puis de toute façon je vous retrouverai demain, je vous prendrai demain, j'ai un ou deux trucs à vous montrer, ça fait un moment que je dois vous le montrer, je ne vous l'ai pas fait voir, donc voilà, voilà, allez, je vous dis à demain. Coucou, donc on est samedi, j'ai commencé à monter le vlog, on est samedi, pardon, il est 6h moins 5, hein. Ça fait un petit moment que je suis debout, je me suis levée à 15h, j'ai pas très très bien dormi, et puis je suis toute seule, Mathias n'est pas du tout là, il est parti en famille pour un pique-nique à la plage, depuis ce matin. Voilà. Bref, j'ai un bouton, pour être poli. Sinon, je mettrais un bip de bouton. Bref, j'ai rangé tout là-haut, tous les vêtements. J'ai remis pas mal de vêtements. Je vais vous poser. Pas mal de vêtements en ligne sur Vinted. Au fur et à mesure que je range, je trouve des trucs que je ne mets pas. Donc, je préfère vous les mettre. Cette semaine, je pense que je vais vous remettre encore des trucs. Donc, n'hésitez pas. Mon Vinted, il est en barre d'infos. Vous savez que j'ai changé de Vinted puisque je me le suis fait pirater. Je n'ai toujours pas récupéré. Hein, donc, je ne l'ai toujours pas signalé. N'allez pas signaler l'ancien, s'il vous plaît. Et puis, voilà. Sinon, j'ai posté une petite photo sur Instagram sur des choses que j'ai achetées, que vous avez vues dans ce vlog, dont le sac à main Moa et puis le coffret Pixie. J'ai voulu faire une belle petite photo dans mon jardin. J'aimerais bien cette semaine réussir à faire quelques photos de tenues, etc. Faut que j'arrive, faut que je m'organise, mais c'est pas facile. Je vous parlerai pourquoi c'est pas facile plus tard, parce que là, toutes les fenêtres sont ouvertes. Je peux pas vous en parler. Mais je vous en parlerai dans ce vlog-là, promis, peut-être demain. Donc, voilà. Il fait ultra beau, sincèrement. Je suis dégoûtée de travailler. Je travaille tous les week-ends de cet été. En fait, je me tape 11 week-ends d'affilée. Je travaille tous les week-ends, donc bah forcément, je peux rien faire en famille ou avec Matt ou quoi. Et ça me fout un coup au moral. Tout à l'heure, je me suis levée et j'étais pas très bien. Enfin bref, on va pas en reparler parce que je suis quelqu'un de très émotif, si vous ne savez pas. Donc, je serais capable de me mettre à pleurer pour ça. Bref, on va pas se mettre à pleurer à tous les vlogs qu'on fait. Hein, pour celles qui regardent les anciens vlogs. Donc voilà, je vous ai pris parce que je savais pas quoi faire. Je me suis dit, je vais vous prendre 5 minutes, je vais boire un coca. Donc oui, il y en a dans le, je sais plus sur quelle vidéo, retour de course, que le coca, c'est pas bon, ça désaltère pas. Oui, ça désaltère pas, mais je trouve que bien frais quand il fait chaud, c'est ultra bon. Donc voilà, c'est pas bon pour la santé, mais s'il y avait que ça qui était pas bon, je fume.
Je travaille la nuit, donc travailler la nuit, ça n'a jamais été très bon pour la santé. C'est pas grave, hein. Tant pis, sincèrement, je suis pas dans l'objectif de vivre jusqu'à 150 ans non plus. Hein. Je travaille en EHPAD, donc je peux vous dire que je veux pas vivre jusqu'à je sais pas quel âge. Bref, on va partir, je sens, dans un débat là dans les commentaires. C'est pas la peine, les filles. Vous fatiguez pas, sincèrement. Faut pas se fatiguer. Donc voilà, je voulais revenir. Mes lasagnes de je ne sais plus quand n'étaient pas sèches. Elles n'étaient pas ultra onctueuses, mais elles n'étaient pas sèches, donc elles étaient très bonnes. Et les yaourts à la vanille, je suis un peu déçue de celui-là. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Je suis un peu déçue de celui-ci. Je trouve que ça fait trop liquide. Ou alors, il faut que je le mette plus longtemps. Je sais pas. C'est écrit fermentation pour 10 heures. Hein. Alors, en utilisant le lait à température ambiante, la fermentation démarrera plus vite pour un yaourt plus ferme. Je trouve qu'il est plus liquide que là. Je trouve que c'est meilleur. Donc, je pense que... Bon, je vais finir ce paquet-là. Hein. Mais maintenant, je pense que je rachèterai celui-ci. Ou alors, si vous faites vos yaourts vous-même, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous achetez comme ferment. En tout cas, la vanille, c'est très, très bon. Ça me fait penser au bifitus à la vanille, en fait. Donc, moi, j'aime bien. Par contre, la prochaine fois, je mettrai tout le petit truc de vanille parce qu'il n'y a pas assez goût. Il y a goût, mais pas assez. Donc voilà, donc j'ai pris ma douche, j'ai mis cette petite robe, attendez je vais vous reprendre, que j'avais achetée l'année dernière je crois chez H&M, je l'aime trop, si je pouvais retrouver dans la même collection d'autres modèles, je pense que je me la reprendrais, parce que vous pouvez la porter comme ça, ou bien les épaules dénudées, mais comme moi je mets que des soutifs, comme ça je trouve que ça fait très bien l'affaire. Donc voilà. Bon, sinon j'ai vu que vous étiez pas mal en commentaire ou en message privé à être contente que je vous fasse des vidéos recettes. Par contre, n'attendez pas avant fin juillet, début août, parce que j'ai déjà fait pas mal de recettes. Hein. J'ai refait les eggs muffins, parce que je sais que beaucoup me demandent la recette. J'ai fait un brownies au citron. J'ai fait quoi ? Bah mince. J'ai fait un smoothie. Enfin, j'ai fait plein de petites choses, donc je ne sais pas si je vous en fais une vidéo entière ou si je vous la coupe en deux avec 4-5 recettes à chaque fois. Mais sachez que ça prend du temps à filmer et à monter aussi. Donc c'est pour ça. Pas avant fin juillet, début août, mais je vous promets que vous aurez dans l'été au moins une vidéo recette. Donc voilà. Bon, moi je vous fais des bisous. Je vous dis certainement, je pense, à demain. Je ne pense pas que je vais vous reprendre aujourd'hui. J'allais boire un coup, vider mon lave-vaisselle. Et puis voilà. Allez, à demain. Je vous reprends. On est lundi matin. Je vous ai même pas pris hier. Il est 7h35. Il est 7h35. Je viens de rentrer du travail. Du coup, je prends un petit café, je fume une cigarette, je vais ranger 2-3 petits trucs, etc. Puis après, je vais prendre une douche et j'irai me coucher. Je vais monter ce vlog. Si j'ai le courage, vous l'aurez eu ce matin. Si j'ai pas le courage, vous l'aurez tantôt vers 17h, je pense. 17h30 grand max. J'espère que j'ai rien oublié niveau montage, en notation ou quoi. Sinon, n'hésitez pas à aller en barre d'infos. De toute façon, je reprends un vlog dès aujourd'hui. Donc, comme je revisionne un peu mes vidéos des fois, surtout les vlogs, si j'ai oublié de vous dire des trucs, je vous promets... Je vous en parle dès le début du prochain vlog qui sortira la semaine prochaine. J'essaye de reprendre les vlogs. Du fait que je travaille pas trop la semaine et que je travaille plus le week-end, je pense que ça va être plus sympa. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Il a duré encore, je pense, pratiquement 40 minutes. Et puis voilà quoi. Nous, il fait trop beau, donc ça, c'est trop cool. Si j'ai une bonne semaine, je vais pouvoir bronzer un peu. Malgré que hier, j'ai pris un petit peu de couleur... J'ai été manger chez la grand-mère à Matt, mais j'ai pris dans le dos surtout. On s'en fout. Ouais, donc hier, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'ai été manger avec Mathias chez sa grand-mère. Donc j'ai pas trop dormi. Donc voilà. Bon allez, moi je vous fais des bisous parce que je pense que je vais très très vite m'endormir. Je suis fatiguée, j'ai pas eu une nuit super au boulot. Du coup, je suis naze. Donc je suis pas sûre que vous l'ayez eu ce matin, mais vous l'aurez eu tantôt. Vous l'avez lundi. Promis. Allez, je vous fais des bisous et puis à très très vite. Bisous les filles.